élèves. Cette séance, c'est la séance numéro 3 du chapitre conique. On a achevé la première partie. On va commencer cette séance par l'hyperbole. Activité 1, passant Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. H, la courbe de la fonction qui a X, on associe 1 sur X. On considère le point F de coordonnées racine de 2, racine de 2. La droite D d'équation x plus y moins racine de 2 égale à 0. Soit M de coordonnées x, y. Un point du plan et H sont projetés orthogonal sur D. Première question. Calculer les distances MF et MH. Donc, voici notre figure. Voici la courbe H de la fonction qui a x, en associe 1 sur x. Voici le point F de coordonnées racine de 2, racine de 2. Et voici la droite D d'équation x plus y moins racine de 2. On va calculer les distances mf et mh. C'est comme on a fait dans la parabole. Pour calculer les distances MF et MH, il faut préciser les coordonnées de chacun des points M, F et H. Normalement. Donc, donc H, on n'a pas ces coordonnées. Donc, la courbe de la fonction X, on associe un sur X. H, c'est la courbe de la fonction x, on associe un sur x. F de coordonnées racine de 2, racine de 2. Et D, la droite d'équation x plus y moins racine de 2, égale à 0. M de coordonnées x, y. H sont projeté orthogonales sur D. Donc, on a les coordonnées du point M. C'est x, y. On a encore les coordonnées du point f. C'est racine de 2, racine de 2. On calcule, donc la distance mf, c'est racine de x moins racine de 2 au carré plus y moins racine de 2 au carré. Pour calculer la distance mh, on n'a pas calculé les coordonnées de h. Et ce n'est pas facile de chercher les coordonnées. Donc, la distance mh... H, la projetée orthogonale du point M sur la droite D, c'est la distance du point M à la droite D. MH, c'est la distance du point M à la droite D. Ici, on va utiliser la formule de la distance d'un point à une droite. J'ai les coordonnées du point M de coordonnées x, y. J'ai l'équation de la droite D. Qu'est-ce que je fais? Je remplace les coordonnées du point M dans l'équation de la droite D. Donc c'est la valeur absolue de x, c'est x, y reste y moins racine de en valeur absolue sur racine de 1 au carré, c'est 1, plus 1 au carré, encore 1. Donc on a calculé la distance MH. Ce n'est pas comme on a fait la parabole, lorsqu'on a fait la parabole, pour calculer la distance mh, on a cherché les coordonnées du point h. Ici, on n'a pas cherché les coordonnées du point h. On déduit que mh égale 1 sur racine de 2mf si et seulement si m appartient à h. mh égale 1 sur racine de 2 mf on remplace mh par sa valeur qu'on a trouvée dans la question précédente. Égal 1 sur racine de mh. Encore mh, on a déjà trouvé. On passe au carré. Il devient x plus y moins racine de le tout au carré sur 2. Égal 1 demi facteur x moins racine de au carré plus y moins racine de au carré. On simplifie on obtient y égale 1 sur x. Je rappelle, h, c'est la courbe de la fonction x en associe 1 sur x. y égale 1 sur x équivaut m appartient à h. y égale 1 sur x, c'est une équation d'une hyperbole. Donc h, c'est une hyperbole. H, c'est l'ensemble des points m vérifiant MH égale à 1 sur racine de MF avec H, le projeté orthogonal du point M sur la droite D. Donc et F, n'oublions pas que le point F de coordonnées de coordonnées racine de 2, racine de 2. C'est bon. Donc, P est une parabole. H, donc, c'est l'ensemble des points M du plan tel que MF sur MH est égal à racine 2. MH égal à 1 sur racine de MF équivaut MF sur MH égal à racine 2. Donc, pour définir une hyperbole, on a fixé quoi Un point M On a donné une droite D je répète H, le projeté orthogonal du point M sur D. L'ensemble H, c'est l'ensemble du point M tel que MF sur MH égale à racine de 2. Si je remplace racine de 2 par 1, on va trouver MF sur MH égale à 1. Et on va revenir à l'équation d'une parabole. Donc, on a remplacé racine de 2 par 1. 1 par signe 2. Donc, définition. Soit D une droite. F un point n'appartenant pas à D. E un réel strictement supérieur à 1. Très important, E est un réel strictement supérieur à 1. Pour tout point M du plan, on note H sans projeté orthogonal de M, bien sûr, sur la droite D. On appelle hyperbole de foyer quoi? F de directrice D. C'est comme on a fait dans la parabole foyer et directrice. Mais pour l'hyperbole, on va ajouter l'excentricité, c'est l'ensemble dit points M tels que MF sur MH égale à E. Donc, pour définir une parabole, il suffit une droite et un point F n'appartenant pas à D. Mais pour définir une hyperbole, il faut ajouter l'excentricité qui est un réel strictement positif. Donc une hyperbole est bien définie par la donnée de son foyer, de sa directrice et de son excentricité. Donc, voici la figure. Voici la droite D. Voici l'ensemble des points M vérifiant MF sur MH est égal à E. Regardez bien, E strictement supérieur à 1, si on regarde la distance MF et la distance MH, on remarque que la distance MF est plus grande que la distance MH. Donc, c'est parce que E strictement supérieur à 1. Donc, je répète. C'est très important. Donc, pour définir une hyperbole, il faut donner le foyer, la directrice et l'excentricité. L'ensemble des points vérifiant MF sur MH égale à E, E un réel strictement supérieur à 1, avec H, le projeté orthogonal du point M sur la droite D vocabulaire Soit h une hyperbole deux foyers F et deux directrices D Bien sûr il n'a pas l'excentricité mais on a une hyperbole la perpendiculaire à D passant par F voici une hyperbole deux foyers F et deux directrices D la perpendiculaire à D passant par F voici la droite colorée en rouge. Voici la droite D. La droite passant par F et perpendiculaire à D est appelée axe focal de H. C'est comme on a fait pour la parabole. Activité 3. Soit H une hyperbole de foyer F de directrice D et d'excentricité E, c'est si bien, on a bien défini cette hyperbole, j'ai donné les éléments caractéristiques de cette hyperbole, c'est-à-dire hyper le foyer, la directrice et l'excentricité. On désigne par K le projeté orthogonal de F sur D. Montrer l'intersection de FK. Et H se réduit en deux points. FK, c'est l'axe focal, hein, puisque c'est K, le projeté orthogonal du point F sur la droite D. Donc, FK, c'est la droite passant par F et perpendiculaire D. Donc, je répète, FK, c'est l'axe focal de l'hyperbole H. On va démontrer que l'axe focal et l'hyperbole se coupent en deux points. Voici la parabole, l'hyperbole de directrice D deux foyer F et d'excentricité E. Voici son axe focal. Donc, on va prendre un point M appartient à FK inter H. Je répète, je veux chercher l'intersection entre FK et H. Je prends un point M appartient à FK et H en même temps. M appartient à H équivaut. MF sur MH égale à E. C'est la définition d'une hyperbole. H, n'oublions pas, c'est le projeté orthogonal de M sur D. M appartient à FK. Regardez bien. Si je prends un point M appartient à FK, le projeté orthogonal du point M sera quoi? sera k. Donc H égale à K. Donc MF est égal à EMH, je peux remplacer H par K, puisque H est égal à K. M appartient à FK. Donc M appartient à FK inter H équivaut. MF est égal à EMK. M appartient à FK. Donc, MF est égal à EMK. M appartient à FK. Donc, les vecteurs MF et EMK sont deux vecteurs collinéaires. Donc, MF est égal à EFK. M appartient à FK. Donc, j'ai dit que le vecteur MF et le vecteur MK sont collinéaires. Donc, cette je peux transformer MF est égal à EMK dans le cas où MF et MK sont deux vecteurs collinéaires de même sens, ou MF est égal à moins EMK. Si MF et MK sont deux vecteurs de sens contraire, MF est égal à équivaut, MF est égal à EMK équivaut, MF moins EMK égal à vecteur nul, ou. MF plus EMK égale à vecteur nil. Donc, MF moins EMK égale à vecteur nil, il nous rappelle quoi Que M, c'est le barycentre du point pondéré F1KE dans ce cas. MF plus EMK égale à vecteur nil, c'est-à-dire M peut être barycentre du point pondéré F1 et KE. MF-EMK égale à vecteur nil. Donc M est le barycentre du point-point F1 et K-E. Ce n'est pas M', c'est M. Donc, et par suite, FK inter H, c'est quoi Deux points. Dans le cas du parabole, on a démontré que la Parabole ou l'axe focal du parabole, l'axe focal coupe la parabole en un seul point. Mais dans le cas d'une hyperbole, l'axe focal coupe l'hyperbole en deux points S et S' avec S le barycentre des points pondéré F1 KE et S' le barycentre des points pondéré F1 K-E. Montrez que M appartient à H équivaut SFK de M appartient à H. En réalité, on va démontrer ça pour démontrer que FK est un axe de symétrie de l'hyperbole. Donc, pour démontrer que FK est un axe de symétrie de l'hyperbole, il suffit de vérifier, quel que soit M appartient à H, équivaut, très important, SFK de M appartient à H. Donc, par SFK, l'image de M, c'est M'. L'image de F, c'est F. Parce que F appartient à FK. L'image de H, c'est H'. Donc, voici l'hyperbole. Deux fois F de directrice D. C'est bon. Donc, Équivaut voilà donc M son image c'est M' F son image c'est F donc la distance MF est égale à la distance M'F L'image de M c'est M' l'image de H c'est H' donc la distance MH est égale à M'H' Donc M appartient à H la définition MF est égal à EMH. Je rappelle que notre hyperbole, c'est la parabole de foyer F de directrice D et d'excentricité. MF est égal à M'F. E je le garde. MH est égal à M'H'. M'F est égal à E M'H'. Donc, que pensez-vous de H' H' le projeté orthogonal de N' sur D. Pourquoi On a pourquoi donc normalement il faut justifier pourquoi H' le projeté orthogonal de prime sur D. On a MH perpendiculaire à D. En H, l'image de MH, donc, et l'image est perpendiculaire à l'image de D. L'image de MH, c'est M'H'. L'image de D reste D. Donc, M'H' perpendiculaire à D. Le symétrie orthogonale conserve l'orthogonalité. Et par suite, H' est le projeté orthogonal du point M' sur D. Donc, M'F est égal à E M'H'. Toujours, il faut préciser. Les éléments caractéristiques de l'hyperbole. L'hyperbole de foyer F, d'excentricité E. H', c'est le projeté orthogonal du point M' sur D. Donc, M' appartient à H. Qu'est-ce qu'on a fait On a démontré que quel que soit M appartient à H, son image par SFK est un point de H. Donc, on a démontré que l'axe focal est un axe de symétrie de l'hyperbole. C'est-à-dire, si je prends quel que soit le point M, vous voyez, son image reste toujours, appartient à l'hyperbole. Donc, on va passer au théorème. Le théorème résume les résultats de l'activité précédente. H, une hyperbole de foyer F. Deux directrices D et d'excentricité E strictement séparant, La parabole est bien définie. L'axe focal de H est un axe de symétrie de H. On a démontré ça dans la deuxième question de l'activité. K, le projeté orthogonal de F sur D, la droite FK, c'est comme on a défini, c'est l'axe focal de H, coupe exactement l'hyperbole en deux points. S et S', et, d'après l'activité précédente, le S, c'est le barycentre du point pondéré f 1 k -E, et S', le barycentre du point pondéré F1-K-E. Donc, S et S' sont appelés les sommets de H. Donc, les sommets d'une hyperbole, c'est l'intersection entre l'axe focal et l'hyperbole. Voici une hyperbole deux foyers F, deux directrices D. Voici son axe focal. Regardez bien l'intersection entre cette droite, qui est l'axe focal, et l'hyperbole. Ce sont deux points S et S'. <laughs> Équation réduite d'une hyperbole. Même principe, ce qu'on a fait dans la parabole. Activité 1, passant 2. Soit H une hyperbole de foyer F, de directrice D et d'excentricité E. On a bien défini cette hyperbole. On considère K le projeté orthogonal de F sur D. S et S', les sommets, ou le milieu de S', Première question. Montrez que OF égale EOS et OK égale 1 sur EOS. Donc, euh, je rappelle. S, c'est quoi S? On a dit c'est les sommets de cette hyperbole. S, c'est un sommet. Donc, S, c'est le barycentre des points pondérés F1 et KE. Donc, S, le barycentre des points pondérés F1K1, donc OF plus EOK égale 1 plus EO. Le bas du centre, c'est quoi C'est S. OF plus EOK est égal à 1 plus EOS. On a utilisé une propriété en deuxième année secondaire où on peut faire l'intercalation. Encore. S, le barissant des points pondérés F1 K E donc OF E est égal à 1 E au esprit regardez bien au esprit et cos donc au esprit je répète ici cos regardez bien au le milieu de quoi de S esprit donc Os' prime égal à SO est égal à moins OS. Donc OS' prime est égal à moins OS, je répète, parce que O, c'est le milieu de S On a donc deux égalités. OF plus E est égal à 1 plus EOS. C'est l'égalité numéro 1. OF moins EK est égal à moins 1 e moins EOS. C'est la deuxième égalité. Donc, Regardons notre bit, je veux démontrer que OF est égal à OS. Donc, si on fait la somme terme à terme, 1 plus 2, voici l'égalité numéro 1, voici l'égalité numéro 2, on fait la somme, la somme terme à terme, donc OF plus OK, plus OF moins OK, le EOK va se simplifier, on va avoir 2 OF. Donc 1 plus EOS plus moins 1 moins EOS, on va obtenir 2 OS. Donc, OF, je peux encore simplifier le 2. Je peux avoir OF est égal à EOS. Donc, pour démontrer maintenant OK égale 1 sur EOS. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, il faut éliminer le OF. Au lieu de faire maintenant la somme terme à terme, qu'est-ce qu'on va faire On va faire 1 moins 2, c'est-à-dire OF plus EOK moins, entre parenthèses, OF moins EOK, on va avoir 2 OK. Ainsi, 1 plus EOS moins moins 1 moins EOS, on va avoir 2 OS. Je simplifie le 2, on va avoir OK égale à 1 sur EOS. D'où le résultat. Maintenant, on va se placer dans un repère. Donc, euh, n'oublions pas que notre activité, c'est l'équation réduite d'une hyperbole. Donc, euh, il faut choisir un repère. Le repère que je vais so choisir, c'est le repère OIJ avec I égale 1 sur norme de OF fois OF. Et bien sûr, OIJ est un repère orthonormé du plan. On a. On va noter F de coordonnées C0, S de coordonnées A0. Donc, on peut remarquer que le C, c'est strictement positif, ainsi que A, hmm? puisque OF égale 1 sur OF, I égale 1 sur OF fois OF. Donc, OF égale 1 sur OF fois I. Donc, montrons que E est égal à C sur A et OK est égal à A carré sur C. On va démontrer tout d'abord que E est égal à C sera. Donc, dans la question précédente, on a démontré que OF égale à EOS. Donc, le norme du vecteur OF égale norme du vecteur EOS. On obtient OF égale EOS. La distance OF, F de coordonnées C0, donc la distance OF, c'est C. La distance OS, c'est A. Donc on obtient E égale à C sur A, d'où E est égal à C sur A. Maintenant, on va démontrer OK égale à A carré sur C. On va utiliser le fait que OK égale à 1 sur EOS. On va passer au nord de chacun de ces deux vecteurs. On obtient OK. OS, norme des vecteurs OS, c'est-à-dire la distance OS, est égale à a, a sur E. Est égale à A carré sur C. Pourquoi Juste, donc, il n'y a pas le E ici. Donc E est égal à quoi C sur A. Donc je remplace E par C sur A, on va obtenir OK égale à A carré sur C. N'oublions pas que K est le projeté orthogonal du point F sur la droite D. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va passer. Si on prend M de coordonnées x y, on va démontrer que si M appartient à H, M appartient à H si et seulement si x carré sur a carré moins y carré sur c carré moins a carré égal à 1. Donc M de coordonnées x y appartient à H équivaut x carré sur a carré moins y carré sur c carré moins a carré égale à 1 Bien. voici notre hyperbole la directrice c'est quoi cd voici le foyer donc f de coordonnées c'est 0 on a déjà c'est une hypothèse. D d'équation x égale à a carré sur c. Pourquoi x égale à a carré sur c Voici K. On a au OK k égale à a carré sur c. Donc K a pour coordonnée a carré sur c 0. Donc la droite D, la directrice de cette hyperbole, est d'équation x égale à a carré sur c. M de coordonnées x, y. H, le projeté orthogonal de m sur d h le projeté orthogonal de m sur d d d'équation x égale a carré sur c donc h a pour coordonnées a carré sur c y donc c'est bien donc m appartient à l'hyperbole mf est égal à emh on passe au carré on obtient mf carré égale e carré mh au carré pour calculer ces distances il suffit de préciser les coordonnées de chacun des points M, F et H. M, on a déjà, X, Y. F de coordonnées, c'est 0. H, on a déjà trouvé. H de coordonnées A carré sur C. Donc, MF au carré, c'est X moins C au carré plus Y carré, égale E carré fois X moins A carré sur C, le tout au carré. Donc, équivaut. Donc ici, il n'y a pas le E. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace E par quoi? C sur A. On développe, on met X carré en facteur, on va avoir 1 moins C carré sur A carré fois X carré plus Y carré égale à A carré moins C carré. Donc je veux le 1. Regardez bien qu'est-ce que nous voulons. Donc on doit diviser chacun de ces deux terres par quoi? Par a carré moins c carré pour avoir le 1. Donc, on va avoir x carré sur a carré. Regardez bien. Moins. Ici, c carré moins a carré. Ici, c'est a carré moins c carré. C'est pourquoi on a ajouté le moins. x carré sur a carré moins y carré sur c carré moins a carré égale à 1. D'où le résultat. Je rappelle, je peux diviser par c carré moins a carré parce que c'est différent de a. C'est différent de a. Théorème. H une hyperbole de foyer F, de directrice D, d'excentricité e, e strictement séparant. Les sommets de cette hyperbole sont S et S'. ou le milieu de S S'. On le plan d'un repère OIJ. ou le milieu de S o. Si S de coordonnées à 0) et F de coordonnées (c, 0). Bien sûr tel que c'est strictement séparé à strictement séparé 0. donc l'équation de cette hyperbole selon le repère Oij c'est x carré sur a carré moins y carré sur b carré avec b carré égal à c carré moins a carré et OI, son axe focal ce qu'on a fait dans l'activité précédente voici la figure Maintenant, on peut refaire le même travail. Maintenant, si S de coordonnées 0, B, regardez bien. Ici, dans l'activité, on a utilisé S de coordonnées A0. Maintenant, si on prend S de coordonnées 0, B, F de coordonnées 0, C, C strictement C alors une équation cartésienne de H sera moins X carré sur A carré plus Y carré sur B carré. De la même manière, on peut trouver cette c'est-à-dire, si on a S de coordonnées 0B, F de coordonnées 0C, l'équation cartésienne de H sera moins x carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale à 1. Avec A carré égale c carré moins b carré. Et OJ son axe focal. Donc, euh, voici x carré sur a carré moins y carré sur b carré. Donc ici, on va faire F de coordonnées quoi ici? C'est 0. Voici le A de coordonnées A0. Bien sûr, regardez bien, c'est strictement séparable. Deuxièmement, K. Moins x carré sur A carré plus y carré sur B carré. Voici l'hyperbole. Voici F de coordonnées 0c. Et voici le S de coordonnées 0B. L'équation. C'est moins X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale à 1. Et OJ, bien sûr, ici, c'est l'axe focal. Réciproquement maintenant. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. La courbe H d'équation X carré sur A carré moins Y carré sur B carré égale à 1. A et B, deux réels strictement positif. est une hyperbole. Deux sommets a0 deux foyers c0 tel que c carré égale a carré plus b carré. Deux directrices x égale à quoi? A carré sur c, je rappelle que la directrice c'est d d'équation x carré x égale à a carré sur c et d'excentricité c sur a. Voici la figure. Donc, on a, voici H, l'hyperbole d'équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. x égale a carré sur c. Bien. Deuxième cas. La courbe H d'équation moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. A strictement positif, B strictement positif. Et une hyperbole de sommet S de coordonnées 0B. Faites bien attention, le sommet appartient à OJ. F de coordonnées 0C avec C carré toujours est égal à A carré plus B carré. De directrice B carré sur C. D'excentricité C sur B. Donc, voici la courbe d'équation. Voici la courbe d'équation moins X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale à 1. C'est une quoi Hyperbole de sommet 0B de foyer C0. C carré égale à A carré plus B carré. Voici la directrice. Remarque. Soit H, une hyperbole d'équation X carré sur A carré moins Y carré sur B carré égale à 1. Dans un repère, c'est bon, maintenant on peut confirmer que c'est une équation d'une hyperbole. C'est une hyperbole. En remplaçant x par moins x et y par moins y, l'équation ne change pas. Ce qui confirme que O, qui est le milieu de S', est un centre de symétrie de H. Retenons, H est une hyperbole. S et S', les sommets de cette hyperbole. Le point O, milieu de S', S est un centre de symétrie de H. Le point O est appelé centre de H. Conséquence. Soit une hyperbole H de foyer F, de directrice D, de sommet S et S', de centre O, le O, c'est le milieu de S', K, le projeté orthogonal de F sur D. L'axe FK, on a déjà démontré que c'est un axe de symétrie. Encore maintenant, la perpendiculaire à FK en haut est encore est un axe de symétrie. Donc, l'hyperbole possède deux axes de symétrie qui sont l'axe focal et la perpendiculaire à l'axe focal passant par haut, le centre de cette hyperbole. Donc, Voici une hyperbole de foyer F de directrice D, FK, c'est l'axe focal. Regardez bien, voici l'axe focal. On a déjà démontré que c'est un axe de symétrie. Regardez bien, c'est clair que cette droite qui est l'axe focal est un axe de symétrie. Encore, la droite passant par O est perpendiculaire à D, encore c'est un axe de symétrie. Donc, je répète, l'hyperbole possède deux axes de symétrie qui sont l'axe focal et la droite passant par O, le centre de cette hyperbole, qui est perpendiculaire à la droite FK. Maintenant, puisque on a dit que O est un centre de symétrie de l'hyperbole, on peut parler du point F' égal à SO de F. Ce point F', on l'appelle deuxième foyer de H. D' C'est SOD, c'est la deuxième directrice. Donc, on dit que F est le foyer associé à D et F' le foyer associé à quoi À D'. Donc, on peut parler, pour une hyperbole, on peut parler de deux foyers, F et F', et encore deux directrices. On fait un résumé maintenant. La courbe, très important ce résumé. Donc, la courbe h d'équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1 est une hyperbole. Voici, nous sommes dans le premier cas, a strictement positif, b strictement positif. Cette courbe est une hyperbole de sommet S de coordonnées (a, 0). On a O le milieu de S', donc S' de coordonnées moins A0. Deux foyers C0, C0, on a déjà indiqué. F', le symétrique de F par rapport à O, donc F' a pour coordonnées moins C0. Et on a toujours C carré égale A carré plus B carré. La directrice, on a dit c'est quoi A carré sur C. On a parlé encore de la deuxième directrice qui est l'image de D par rapport à O. Donc, D' a pour équation moins A carré sur C, D d'équation a, a carré sur C, D' a pour équation X égale à moins A carré sur C. Ainsi, l'excentricité de cette hyperbole, c'est E égale à C sur A. Je résume, je résume, x carré sur A carré moins Y carré sur B carré est une hyperbole. Les sommets sont, regardez bien, A0. S' moins A0. Le foyer, pour chercher le foyer, il faut chercher C carré, c'est-à-dire A carré plus B carré. C, c'est la signe de A carré plus B carré. F de coordonnées, c'est 0. Le point F', prime, c'est facile, c'est sans symétrique, juste on ajoute le moins. Directrice, c'est A carré sur C. Moins A carré, si X égale à moins A carré sur C, c'est la deuxième directrice. E égale à C, c'est là. On passe au deuxième cas. La courbe H d'équation moins X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale à 1. A positif, strictement positif, et B strictement positif. Donc, H, voici H. C'est une hyperbole d'équation. Moins X carré sur A carré plus Y carré sur B carré. Regardez bien. Ici, à côté de moi, à côté de y carré, il y a le moins. Mais ici, à côté de x carré, il y a le moins. Donc, est-il une hyperbole. Regardez bien, y carré sur b carré. Donc, le sommet, c'est quoi C'est 0 b. On peut obtenir le sommet si on a oublié. On remplace x par 0. On va avoir y carré sur b carré égal à 1. C'est-à-dire b carré. Donc, euh, je remplace le x par 0. On va avoir y égal à b ou y égale à moins b. Donc, le foyer, c'est 0C. F', c'est 0 moins C. Toujours C carré égale à A carré plus B carré. La même chose. C, c'est la racine de A carré plus B carré. La directrice, Y égale à B carré sur C. Ici, c'est A carré sur C. Directrice, c'est D égale à B carré sur C. Deuxième directrice, c'est moins B carré sur C. Ici, c'est l'excentricité C sur A. Ici, c'est quoi C sur B. Donc euh, voici les deux cas. Exemple. Le plan est muni d'un repère orthonormé Oij. Et l'ensemble des points x, y vérifiant. X carré sur 9 moins y carré sur 16 égale 1. C'est clair. C'est une équation d'une hyperbole. Déterminer la nature. On va confirmer que c'est une hyperbole de gamma et donner le centre, les foyers, les directrices et les sommets. Deuxième exemple, M de coordonnées x, y du plan, tel que moins x carré sur 9 plus y carré sur 16 égale à 1. C'est le deuxième cas. On va, c'est clair que c'est une hyperbole. Mais on va le justifier. Et on va déterminer le centre, les foyers et les directrices et les sommets. On va répondre à cette question. x carré sur 9 moins y carré sur 16 égale à 1. Le 9, c'est 3 au carré. Le 16, c'est a carré. C'est 4 au carré. Donc, c'est une équation. De la forme x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. C'est le premier cas. Avec a égale à 3, b égale à 4. Donc, gamma est une hyperbole. L'excentricité, c'est quoi C sur a. On a le a, c'est 3, mais on n'a pas le c. Il faut chercher c. C, c'est racine de a carré plus b carré. a c'est 3. B égale à 4, on va obtenir 5. Donc, je remplace C par 5, le A par 3, donc E égale à 5 sur 3, c'est vraiment strictement supérieur à 5 tiers. Donc, le centre, c'est O. Le sommet, c'est quoi Le sommet S, c'est de coordonnées quoi On a dit x carré sur a carré moins y carré sur b carré, c'est le sommet. S de coordonnées A0. AC3. Deuxième sommet, c'est moins A0, c'est-à-dire moins 3, 0. On passe au foyer. F de coordonnées C0. C est égal à 5, donc F de coordonnées C0. F' de coordonnées moins 5, 0. Donc 5 moins 5. F et F' sont symétriques par rapport. À Ainsi, les sommets. 3, 0, moins 3, 0. Directrice, x égale a carré sur c. C, c'est quoi? Le c a carré sur c. C c'est 5. A carré c'est 9. Donc l'autre directrice, c'est moins 9 sur 5. x égale à moins 9 sur 5. 9 sur 5, on ajoute le moins. Toujours en raison de symétrie par rapport à donc, on va confirmer ce résultat graphiquement. Voici H, on a tracé H, l'hyperbole d'équation x carré sur 9 moins y carré sur 9 égale à 6. Regardez bien, voici S et S'. S de coordonnées 3, 0, S' moins 3, 0. Le foyer, c'est 5, 0. Deuxième foyer, c'est f', prime, moins 5, 0. Directrice, x égale à 9 sur 5. Voici le D, c'est 9 sur 5. Très proche de 2. Deuxième directrice, D', c'est moins 9 sur 5. On va passer à la deuxième exemple. C'est moins x carré sur 9 plus y carré sur 16 égale à 1. Équivaut, moins x carré sur sur 3 au carré plus y carré sur 4 au carré égale à 1. Juste, on a remplacé 9 par 3 au carré et 16 par 4 au carré pour faire apparaître la forme d'une équation, d'une hyperbole. On a, dans le deuxième cas, c'est de la forme moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. J'insiste sur le résumé qu'on a fait. C'est très important. Donc, a égale à 3, B égale à 0. Donc, c'est clair, c'est que c'est une hyperbole d'excentricité. Maintenant, faites bien attention, nous sommes dans le deuxième cas. L'excentricité, c'est E, c'est C sur B. On calcule C de la même manière. c'est toujours, c'est la racine de A au carré plus B au carré. On a le A, on a le B, on va obtenir 5. Le B, faites bien attention, c'est 4. Donc le E. C'est 5 sur 4 toujours strictement 6 par 1. Le centre c'est O. Les sommets maintenant. Les sommets de coordonnées quoi? 0, B. Regardez bien. B, 4. Deuxième point, directement, S et S' sont symétriques par rapport à O. Directement, on déduit que S' 0 moins 4. Le foyer de coordonnées 0, C. C, c'est 5. 0,5. F prime, encore, c'est le symétrique de F par rapport à O. F prime, c'est 0, moins 5. Les directrices, faites bien attention. Maintenant, Y égale B carré sur C. C, on a 5. B, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. Donc, D prime, toujours, c'est l'image de D par rapport à O. Donc, D a pour équation Y égale à moins 16 sur 5. Donc, on va confirmer tous ces résultats. graphiquement. Voici notre hyperbole d'équation moins x carré sur 9 plus y carré sur 16 égale à 1. Donc, hein, on va voir les sommets. Regardez bien. Les sommets, c'est quoi Bien sûr, le centre, c'est quoi C'est O. Le S, c'est quoi 0,4. S' 0,4. Regardez bien, F. F de coordonnées, combien 0,5. Voici le point F' de coordonnées moins 5, euh, De coordonnées 0, moins 5. Et d, voici D. C'est 16 sur 5. Voici D', moins 16 sur 5. Exercice d'application. C'est un exercice à faire à la maison. La courbe si contre et la courbe d'une. Et, euh, et c'est d'une hyperbole H, vous voyez. On a donné l'équation de cette hyperbole, c'est X carré sur 4 moins Y carré sur 9 égale 1. Voici H. Précisez les foyers et les directrices de H. Deuxième question. Pour tout θ appartient à moins pi sur 2 pi sur 2, on désigne par M théta. Le point fixe z égale 2 sur cosθ plus 3i θ. Montrez que mθ varie sur l'hyperbole h mθ. Donc ici, il nous suffit à vérifier que mθ appartient à l'hyperbole. Lorsque θ décrit l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. Soit V, le volume du solide de révolution engendré par la rotation. De l'arc M0 Mp, euh, MP sur 3 de la courbage autour de l'axe 10 abscisses. Montrez que V égale 24 pi Merci mes élèves, à la prochaine.